Mais je suis ok. Moi, je trouve que tir, ceinture ou gants. Putain, what the fuck là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils étaient tous les deux, tous là-bas et pas moi? J'ai l'impression d'être Ahmad dans Koh-Lanta. What the fuck? Juste pour que Zaya gants? F c'est Claude les gars. Il a 8 ceintures, c'est Claude. En vrai ça me va parce que j'ai le meilleur champion du jeu en early je pense. Et j'ai une ceinture qui est vachement bien sur elle. Et j'ai des golds donc c'est cool. Ah ça c'est super. Ça c'est super. Merci beaucoup Flamby. Ah. Ah, pas jouer Cassio, parce que je vais laisser la ceinture sur Illaoi dans tous les cas. Bon. Comment j'ai autant de gold là? Oh putain, plus j'ai roll. Alors, paire de Ziggs, paire de Graves, et un Malphite. C'est un peu moins dur, on va pas se mentir. Je pense que Graves est devenu un bon champion maintenant. Bah, Leona, j'ai plus envie de la jouer. Et j'aimerais bien garder Blitzcrank. Je pense que Leona le dégage en tous les cas. C'est vrai. Marie, on s'en fout. Ah, ça c'est super! Une baguette. Oula! Ce serait pas Warmog Illaoi? On est d'accord sur le. Morello ou Warmog? Là je vais push Nocturne, je pense. Push Nocturne, on est bon? Morello ou Warmog, putain, je sais pas. Bah je sais pas. Je pense que Warmog c'est un super item en early, mais... Moi j'aime bien Warmog. Hein. Je vais la faire juste pour pas qu'il la tue. Moins 8. Agréable. Très agréable. Ouais, on va rentrer un rebelle. Hein. En fait, si je fais Warmog, je peux peut-être jouer Gangplank. C'est ça que j'aime bien. Warmog Zap, là. Ou Luden. Ah, j'aurais peut-être dû rentrer rebelle là. Moins 8. Là j'ai envie de 5 là. Comment je fais? Je dois vendre le Blitzcrank je crois. Ça va être ça, Yasuo. Y'a Cassio je sais. On se gagne un tout petit peu. Je pense qu'il faut que je
Vente Blitz, achète Mastery et je pré-push. Non. Non, j'ai juste joué Rebel, Snowball, je pose Gangplank et on verra. Le mieux serait du Denzig. Ah fuck, du coup. Ok, on va prendre Maitreuil, je pense. J'ai pas besoin de lui. Trop tôt. Alors, on a une baguette. Pour l'instant, on n'a pas les thèmes pour jouer Jinx et tout. Moi, j'aime bien le zap ici sur Illaoi. Warmog zap Illaoi pour Snowball. Sinon, je peux prendre une armure. C'est un gold. Négatron est bien, sinon armure, je pense. Même si c'est un gold, ça fait chier. Mais... ah bah. Warmog zap. On avance. Ça sera Rumble 2. Donc là, Grave, il saute pour Ziggs Yasuo, je crois, non? Ça, c'est un Fizz early. Et ça, c'est un Yasuo 2 early. Alors. Nous avons 5 champions niveau 2. Warmog zap Illaoi. Qu'est-ce qui a changé entre cette game et celle d'avant? J'en sais rien. Oh ça je reconnais. Oh ça je reconnais. Merci Task, merci beaucoup. Alors est-ce qu'on vendrait pas tout là pour l'économie? Parce que maintenant en fait j'ai un level 5 qui me va très bien, juste j'aimerais bien garder Fizz. Mais j'ai tellement de rôles, j'ai tellement d'options, genre là même un Z me plaît plus. Je sais pas si je dois tout changer, je dois tout vendre ici. Trop tôt le Fizz, non? Ouais c'est Fizz quand même. Alors je peux pas vendre Fizz en vrai, juste Fizz je peux pas le vendre, pas Fizz. Ah bon, Z. Je pense que Fizz c'est un bon champion. Mais il a un tout. Mais Z aussi me va bien. Ça c'est sûr que je jouerai pas. 3, 6, 9, 11, 15. Non, ça va. Si t'as Z, tu remplaces Nocturne par Fizz. C'est ça, exactement. Mais il faudrait que j'ai un autre Battle Cast pour aider Illaoi. Tac, Fizz, je pense, un champion important. Si je touche Fast Fizz 2. Dans cette galaxie, c'est assez incroyable. Ouais. Donc, c'est un champion qui vaut la... C'est comme si j'avais Jinx pour moi ici. Le Fizz pour moi est bien. Le Fizz c'est du bait. Pas sûr. C'est bien. Knockout pour Fizz. Bah en fait tant que j'ai Illaoi carry, je peux pas. Parce que Battle Cast c'est pas mal en early en vrai. J'ai vu qu'elle prend beaucoup de dégâts avec Warmog, elle régène, elle fait des dégâts en plus. C'est... alors est-ce qu'on prend les rebelles? Est-ce que c'est une game rebelles? Pour l'instant j'ai pas l'item pour jouer rebelle. Je crois hein. Snowball, je pose des rebelles, j'avance. On joue aussi rebelle Illaoi. Fizz, au 8. J'aime pas Yi parce que Yi est pas du tout contesté et il coûte cher et t'as pas envie de le rentrer. Nice. Meilleur item. Armure est bien. Pff, oh, super. Bon, bah on a eu les meilleurs items possibles. C'est beau. C'est beau. Last Whisper and Buff. Na de Yi. Na Kog'Maw. Qu'est-ce que je fais avec Kog'Maw? Oh, toi tu rentres pas. Un autre I. Qu'est-ce qu'il prend Last Whisper à votre avis? Parce que Zig, je pense qu'il va rester toute la game, il y a des chances qu'on joue GP ici. Je peux pas pouge, j'ai pas de gold. Nocturne, ouais, Nocturne dégage soon. Nocturne dégage très très soon. C'est
C'est pas fou sur lui, mais bon. Il a pas un filtre, il faut que j'entre un filtre. Alors est-ce qu'on rentre Fizz ou Z à votre avis? Enfin, il est fort le monsieur là. What? Oui, d'accord, donc. Il n'y a pas que moi qui suis dans le game. Poppy 2, 7 Harry, Zoé 2, TF2. Il y a des trucs qui me coûtent cher là. C'est ça qui me coûte cher. 7 Harry, mec. En fait, je suis trop proche du 6 rebelle pour l'ignorer. Parce que là, juste à faire ça et une Jinx, on a les items de Jinx et je joue 6 rebelle Illaoi en fait. Donc je me demande si je dois pas virer Fizz. Ça, je dois virer ça. Go rentrer Rumble. Tu penses que Rumble 1 est mieux que. Peut-être que Fizz depuis le nerf il est un peu moins bon. Il tend un casque. Je pense que Kog'Maw c'est pas possible. J'ai pas une écho folle. Du tout même. Après je pense pas jouer. Ça je peux jouer GP ou Gnar avec ce stuff là, mais il faut savoir en fait, je peux pas tout jouer. Waouh. Ah voilà. Comment est-ce que j'ai cool? Je peux pas. Ce Rumble il prend très bien ces items là. Rumble c'est la transition naturelle de Illaoi là pour moi. Illaoi commence à fatiguer là. Genre, stage 2 très bien, stage 3 commence un peu à fatiguer. Heureusement qu'on a. Et on a pas de dégâts derrière pour l'instant, on n'a pas trop de dégâts. Si on avait genre. Kog'Maw 2, Red Buff et tout, évidemment. Mais là, c'est pas le cas. Là, ils vont perdre des runes. Ouais, c'est normal en même temps. Là, on n'a pas d'écho. C'est. Mais je pense que beaucoup de gens sont entre 20 et 30 gold. Là. 40, 20, 20, 10, 20, 0. Donc, c'est normal. Ceinture top deck pour moi. Préparer le red buff. Sur toi faire GA. Red buff 4 gold. Les Yi coûtent tellement cher en écho depuis 3 rounds alors qu'ils rentrent que très tard. C'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Mais là je me dis que j'ai un très face 6 rebelles, tu vois. Genre quand t'as Yasuo 2, Ziggs 2, Malphite 2, et Yi et Zed, t'es en mode ouais, Deadmod Jinx c'est bon quoi. Tu vois, t'es vraiment proche. Il y a un truc à faire là. Je sais pas quoi, mais il y a un truc à faire. Est-ce que je mets le stuff sur Z et je retrouve un dès que j'ai l'autre là? Peut-être que Fizz sert à rien. Peut-être que Fizz sert à rien dans le game. Peut-être que Fizz sert à rien. Parce que je vais jouer 6 rebelles, Rumble et S dans tous les cas. Et en tout cas, j'ai Nocturne qui tient Jinx. Mais bon, on s'en fout, Fizz, hein. Il coûte cher. Hein. Pourquoi je veux Fizz, hein. En fait, là, c'est une question de. Je sais à peu près ce que je vais jouer. Il faut juste que j'ai une Jinx. Allez, ça dégage. Je prends une décision. Je regrette de l'avoir acheté. Mais... Et je pense par contre que Rumble va être devant ici, ouais. Ça j'aime bien. Ça, ça bouge pas. Surtout parce qu'on a Z2 qui est rentré. Donc... Peut-être qu'il a, il prend le focus trop vite dans ma game. Mais c'est vrai que les Yi coûtent cher, ça je sais. Attends, il y a Harry 3 là?
Après c'est Harry 3 Rabadon, il a pas de tir pour l'instant. Tant qu'il a pas de tir on est safe. On a quand même perdu 3 rounds sur 5 ici, hein. C'est pas bon. Hein. Bon, il y a une Jinx. Hein. Non mais Jinx ici, Ez au prochain. Rumble à la place de Yelani. Est-ce que je roll pour Jinx? Alors lui il joue quoi? Il joue Jinx ou pas? Non. Est-ce qu'il joue Jinx ou pas? Non. Jinx ou pas? Non. Jinx ou pas? Non. Jinx ou pas? Non. Jinx. Ah peut-être non, il va jouer Battlecast. Non plus, donc y'a personne qui joue Jinx dans le lobby. Incroyable ça. C'est Noël. Oh ça je reconnais. Alors ça. Ça, il fallait le faire quand même. Alors là, je sais pas quoi vous dire les gens. Vraiment, je sais pas quoi vous dire. Je m'excuse. Peut-être je m'excuse. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Bon bah. Du coup là on peut jouer avec Fizz. On a une place en plus. Mais il faut vraiment Jinx. Jinx change beaucoup là. On a vraiment genre eu rien du d'autre que Warmog Zap, Last Whisper, Fun. Genre vraiment y a pas d'autre. C'est une OP? Non. Peut-être. Pas à nous, non. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah, est-ce qu'on veut toujours Rumble ici? Je crois, hein. Oh, ça, je reconnais. Oh, ça, je reconnais. J'aurais Spat Rebelle et Spat BM. Alors, l'une des règles d'or, c'est quand t'as une faune, tu l'as fait. Là, ce TD, je peux rentrer aussi Ribbon. Attends. Oh non putain il m'a buté. Bliss c'est bien. Oh bard, oh bard, oh bard, oh bard. Comment je rentre Bliss là? On gagne pas les runes. J'ai pas un filtre pour Z. J'ai pas de backline access. Après il y a des grosses veines quand même. Ils ont roll et pas toi. C'est vrai qu'on est rentré sur des... J'ai envie de rentrer Je sais pas ce que je veux là maintenant, BF je pense. BF, BF. Si j'ai pas BF, je veux. Gant. BF, BF, très bien. 4 gold. Manque Jinx 2 Ignar. Ouais, à peu près. Ah, y'a Cassio qui rentre bien là ici. La Cassio et le Riven, pardon. C'est naturel là. Je suis pas. Est-ce que je perds un rebelle pour Cassio?
leur digue. Peut-être mieux. J'ai deux Blade Master upgrade. J'aurais pas Blitz. C'est, ça a l'air de revenir en force, hein, Xayah 3 quand même. C'est pas la première fois qu'on les voit et ils font des bonnes games. Riven over Illaoi. Je pense pas que tu dois mettre Warmog Zap sur Riven dans ce cas-là. Bon, je vais écho encore en rune, on va essayer de se faire pas mal de gold. Après, ça me coûte pas grand-chose pour rentrer 6 rebelles, 20 gold. Qu'est-ce qu'on fait ici? On grid ou pas? Est-ce qu'on peut échanger quelques PV contre beaucoup d'argent? Je suis pas en win streak, je suis pas à 3. Si j'étais à 3, ouais. Je pense qu'il y a moyen que je le fasse quelque part, mais on perd vraiment beaucoup de gold si on le fait. Soyons patients. Ça. J'ai besoin d'Aurélion, j'ai besoin de Gangplank, je pense. Je pense que Gangplank il peut rentrer à la place de Illaoi. On va voir le premier qu'on touche. Mais Warmog Zap, tu peux jouer largement Gangplank. Bon, bah parfait. En plus, on gagne en économisant, c'est le meilleur scénario. Si j'avais 3 victoires pour passer à 4, je l'aurais fait. 2 à 3, non. Oh, ça, je reconnais. Merci Kyler, c'est gentil. Ouais, on a le temps, c'est gentil ton soutien, merci beaucoup. On fait quoi là du coup? Moi je pense qu'il faut roll un peu, non? Je pense que je peux pas aller au level 9 sans Jinx 2, sachant que je suis le seul à le jouer dans le lobby, ce qui est assez incroyable d'ailleurs. Là je rentre Ziggs. Je peux pas fast 9. Je pense. Illaoi c'est plus un champion là. Il faut que j'ai Gnar ou Rumble 2 ou Gangplank. Je pense que je peux pas. Et après je vais pas roll down non plus mais. Shojin. Luden. Salut. Ah bien c'est late Rumble, c'est late. Ouais. Bon, pas de Gangplank pour ça. Du coup, je sais pas si je mets Fizz au Riven. Vraiment Riven. Parce qu'en plus, si je mets la Luden sur lui, on jouera un peu sans Gangplank du coup. Après. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'en light on va jouer sans Riven avec Fizz, avec Thresh peut-être. Mais j'aime bien Riven quand t'as un setup rebelle, que tu peux te le permettre. Parce qu'elle apporte vraiment des stats géniales. Yasuo et Yi deviennent un peu plus forts, chrono. Ok, nice. Bon. Action level 9. Ah, c'est plus facile des games comme ça. Je cache pas que. Ça fait du bien. Ah, c'est une Game Herald. C'est plus qu'une Game Herald. Aurélien remplace qui Ziggs. Et du coup, je joue pas Nemo. Je joue pas Gangplank, du coup. Si je trouve face Gangplank, je sais même. D'ailleurs, j'ai une BF qui traîne là. Je suis pas sur qui la mettre. Tiens, yep, cadeau. Attention, c'est le Harry 3 player quand même. Le problème d'Harry 3, c'est qu'il a pas Blue Buff. Donc ça elle me fait moins peur. Genre si elle avait Blue Buff, j'aurais très peur. Mais... Ah, bah, on n'a pas réussi à tuer la Riven. Fuck. Ouais, Riven a fait le taf. Mais Harry Rabadon, c'est très bien. Mais Harry Blue Buff Rabadon, c'est incroyable. Pauvre Jean, personne veut de lui. Allez, je te laisse quelques secondes pour que tu regardes le fight.
Ouais, elle a tout dodge, Larry. Dommage. Oh oh. Ouf. Close, what the fuck? Il manque un item Jinx quand même. Jinx aurait dû en, je pense. Deathblade est très bien, RFC est très bien. Il y a une fun. Voilà, faut pas la fou. Oh là. Je sais pas si je prends RFC ou Deathblade. J'aime bien les deux. J'aime bien RFC ici. J'aime bien RFC parce qu'en fait, les fins de fight, ça va être d'aller chercher Harry et Victor. Et si je suis un petit peu en range, ça peut être cool. Si on arrive à tuer cette Riven, parce que c'est ça qui est chiant. On peut tenter Jinx 3, je crois, dans cette game. Si personne la joue. Qu'est-ce que je fais avec ça du coup? Terry Van, je la passe 2. Ah, oh, le bum, putain. Ah, là, RFC est pas mal ici. En fait, je sais pas quand est-ce que je les rentre, les fils. Mais ils vont rentrer. Oh baby. Thresh au 9. Bah en fait je pense que Riven peut plus rentrer, ses filles et Thresh. Parce que Blade Master on s'en foutra à partir d'un moment. Mais bon, si j'ai Riven 2, je peux la garder un petit moment. Je vois bien le fils Thresh en late. Gangplank il peut plus rentrer ici. Trop tard. Pas de Blitzcrank, je pense. Lalé. Ouf. Ouais, je pense que c'est une game Jinx 3 ici. C'est ouf en vrai qu'il y a personne qui joue Jinx. C'est la première fois en 20 games, je pense. Moi j'ai les formes et les rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Oh, la Mebent était au-dessus. La fils. Alors, il y a Echo aussi qui est arrivé. Est-ce que je peux rentrer les deux? Oh, ça, je reconnais. Spell crit, putain, énorme. C'est bon, il roll cette game. Merci beaucoup, Zico. Merci pour le XM. Echo est mieux que Fizz. Tu penses que Echo 2 est mieux que Fizz? Un field de 9? Non. En fait, j'ai bien envie de push pour rentrer Riven et avoir des super synergies. Plutôt que d'attendre un tour et avoir perfect Echo. J'ai envie de rentrer Riven. Je pense que c'est bien de faire ça, même si j'ai un off-curve. Là, je suis en chain win de 3 à 4. Alors. Madame, bonjour. C'est donc ce qui se passe quand on est seul à jouer Jinx. Il y a des Jinx dans le pool. C'est beau. Mon plan était bon.
Never punished. Ah mais il faut pas snipe toutes les games à Son Gotham. Tu pourras lancer à partir avec 50 gold. Ça, je reconnais. Est-ce que je joue GP2 à la place de Gnar à votre avis? Et je rentre un Ziggs quelque part. Il rentre plus jamais? C'est fini, j'ai un peu le Grand Plank. Fini pour toujours, genre toute la vie. Plus jamais il y aura Grand Plank. Oh! Holy shit, ce qu'il m'a mis! Bon, franchement, par contre, on veut vraiment trash. Et Jinx 3. C'est pas mal ça aussi. C'est fucking Victor aussi. Victor, il te met un rayon, il tue la moitié de ton équipe en rebel. Allez, je te laisse regarder un fight, Jin. Même Thresh, je sais pas s'il est si utile que ça. Hein. C'est Thresh, c'est fait tellement nerf. Oula. Il a dit non. Cassio 3. Fort Cassio 3 quand même. Après, j'ai encore autant que j'ai Aurélion, ça va. C'est plus Aurélion. Ouais. Tu devrais rentrer Mystique. Peut-être. Est-ce que j'ai besoin des 6 rebelles en late ou est-ce que j'ai besoin de Mystique? Contre lui, j'ai pas besoin de Mystique. Item Aurélion. Oh la Claw, la Claw, la Claw, la Claw. Putain, j'ai Morello mais j'ai Claw. Si je fais Claw, je pense qu'Aurélion il peut 1v9. Hein. Après, j'ai une BF. Je peux BF spatule. Ah, Claw, 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 Claw. Claw Aurélion, Claw. Claw Aurélion, la finale va être contre lui. Je pense qu'Aurélion il va tuer tout le monde en late. Sinon il y avait BF spatule, spatule BM et trucs comme ça, mais je pense que Jinx 3 et Chrono. Et Claw. Ah, est-ce que j'y vais maintenant ou pas? Oh ça je reconnais. Cherche quoi là? Dès maintenant? Je cherche vraiment rien d'autre en fait. J'ai vendu une Riven? Je pense qu'en vrai il faudrait que je le fasse maintenant. Il y a de grandes chances que je l'ai. 30% de chance, je suis le seul à jouer. Je devrais le faire. Je pense que Gnar 3 j'aurais pas la gueule pour. Poisson de Fizz. C'est ouf à quel point il est in Fizz. Non, en vrai, j'aurais du roll maintenant, c'est une erreur. Je sais pas si j'ai besoin de Mystique en late, putain. Faut que je fasse un round contre lui pour voir maintenant. Bon, peut-être qu'on peut jouer Gnar 3 aussi alors, parce que ça fait beaucoup. Gnar 3 est devenu moins dégueu. Il y a Shroud, mon. Je sais pas qui se doit choper là. Ah, il est 1-off de Riven 3. 2-off de Riven 3. Je vais voir sans Mystique déjà ce que ça vaut. Sinon, je peux jouer 4 rebelles de Mystique. Mais... Je crois que je dois enlever ça et ça pour Mystique, non? On peut jouer 6 rebelles Mystique. Vous en pensez quoi? Je crois que Fizz sert plus à rien. On m'en fout de chrono.
Je suis ok avec ça. Alors c'est un peu moins fort contre l'autre, mais je peux pas vendre cette Riven par contre, parce qu'il est Riven 3. On va jouer Jinx 3, Gnar 3, et deny une Riven, je pense. Seul place que j'ai ici. Dommage pour le Luden. Nice. Jinx 3. Bog. Lulu 2. J'espère que j'ai pas loupé des Riven. Il a touché ou pas? Non. Shroud. Oh, album de Rakan. Le stun de H, c'est horrible le fight. Nice, le Lululu. Le RFC. J'aurais pas 4 mystiques au lieu de rebelle contre lui. Je crois que c'est le bon call, parce que j'ai que 2 champions qui font des dégâts, tout le reste ça a rien, mais... Genre, Jinx 3 a assez de dégâts, en fait, pour pas avoir besoin de rebelle. Je crois qu'elle doit juste pas crever. Cassio, il faut Karma. Trop tard pour le jeu. Karma, putain, je viens de voir. Merde. Oh, le stun de Zoé sur Jinx. Le rayon de Victor, on tank. On tank tout. On tank tout. Nice, putain. Oh sa mère, putain, on a roll. Ça fait du bien quand même. Ouais, le call 4 mystique était fat en vrai. Il m'a fait gagner. Je pense que je n'y passe en 4 mystique.